Le grand oral des grandes guerres. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Bon, Content bon, de ça, vous ça, avoir ça, ça, dans tous les cas avec nous pour parler de, de, de ce livre, Mitterrand, De Gaulle, euh, vie parallèle aux éditions Robert Laffont. J'ai pris euh, cinq lignes qui résument un peu votre livre parce que. Vous comparez les destins des hommes, leur vie personnelle, leur rapport à la France, euh, leur action, leur rapport même à leur corps, à la maladie, à la sexualité. C'est un livre que je conseille, c'est peut faire un cadeau de Noël. Je vous le dis tout de suite, et, vraiment. Et vous dites l'homme de Colombey, les deux églises étaient une ligne droite, c'est De Gaulle. Celui de Jarnac, un nœud de vipère, euh, Mitterrand. L'un a laissé une trace dans l'histoire de son vivant, mais aussi tel César ou Napoléon. Après lui, l'autre pèse désormais autant qu'un obscur président du Conseil de la 4 République. L'un a fait la France, l'autre a largement contribué à la défaire. Vous étriez François Mitterrand. Écoutez, c'est factuel. Vraiment, je vous assure que si... Alors vous pouvez faire la part du, du fait et du commentaire chez moi en disant, bon, vous avez beaucoup commenté, assassiné, etc. Mais c'est un personnage euh, qui, a, qui a tellement été dans... Dans, dans le détestable du début jusqu'à la fin, il suffit juste de dire ce qu'il a été, ce qu'il a fait, les témoignages, etc. Enfin, vraiment, je dirais, à un moment donné, on se dit mais on, il n'y a rien pour le sauver. Ce, ce monsieur se retrouve dans des manifestations dans les années 30 aux côtés des, des, des fascistes en disant qu'il faut mettre les métèques à la porte dans les années 30. Le dernier déjeuner qu'il fait à l'Élysée, c'est en compagnie de Jean Dormesson quand même la pipelette absolue, et il lui fait savoir, alors qu'il est dans une enceinte symbolique, c'est l'Elysée, c'est son dernier déjeuner, euh, et il lui parle d'Ormesson, du livre de Péan, et Mitterrand se met à lui parler du de la formidable puissance du lobby juif. C'est quand même ce monsieur qui, quand il est président de la République, fait déposer des gerbes à la mémoire du maréchal Pétain, et les gerbes de François, de François Mitterrand arrivent en même temps que les gerbes de Jean-Marie Le Pen. C'est quand même ce personnage qui euh, va défendre l'Algérie française, qui va envoyer à la guillotine euh, des dizaines de militants du FLN. C'est quand même un personnage qui invente ce fameux faux attentat de l'observatoire, c'est quand même un personnage qui va réhabiliter les, les généraux putschistes d'Alger. Ouais, c'est quand même 81, qui... la gauche Comment au pouvoir. Oui, mais c'est quand même euh... le personnage qui crée le pen. Mitterrand crée Le Pen tout de même. C'est un responsable politique qui fait de la politique. Non, mais Le Pen lui écrit. D'ailleurs, ils ont, ils ont plusieurs amitiés en commun. Il y a des sympathiques à Goulard de chez Mitterrand quand même dans les années 30. Et tout ça, c'est l'amitié de l'extrême droite française. Et Mitterrand est resté fidèle à cette amitié. C'est un peu générationnel quand même. Parce que c'est là, là où il est né. Euh, voilà, il est né dans un milieu comme ça. Je pense, je pense que ce qui, sur son. Alors, est-ce qu'il a, est qu a varié ou est-ce qu'il est resté ce qu'il était Moi, c'est plutôt ça là. — Je pense que vous avez raison. C'est la vraie bonne question. Moi, je pense qu'il n'a pas varié voilà. et qu'il a fait semblant. Et d'ailleurs, par cynisme, à une époque, il disait « Vous avez vu, j'ai bien appris à parler la gauche ». Et donc c'était une façon de dire... Bon, bah, au congrès d'Épinay, par exemple, 1974, il dit « Quiconque ne veut pas rompre avec le capitalisme ne peut pas être dit socialiste ». Bah, ben, Ça va fort, quoi. Il fait à l'époque des alliances avec le Parti communiste, et le Parti communiste, ce pas celui d'aujourd'hui, hein, c'est celui de Georges Marché, oui. hyper-Soviétique, oui. subventionné par euh, l'URSS, effectivement. Et, et voilà un personnage qui a été capable d'utiliser tout et tout le monde pour parvenir à ses fins. Il n'a voulu qu'une seule chose, parvenir au pouvoir, deux choses, et la deuxième, quand il y est parvenu, s'y maintenir. Donc euh, effectivement, il y, y, y a quand même Mais pas vous, mal de vous choses. Vous posez même une question à, à un moment. Vous demandez si le cynisme politique de François Mitterrand, ça n'est pas de la pathologie mentale même d'ailleurs. Dans, dans, dans sa manière de faire ou dans ses raisonnements, je ou pense de... pas avoir parlé de pathologie mentale. c'est un caractère, un tempérament. Oui, pour quoi. que Mitterrand puisse prétendre qu'il a été résistant, il faut bien qu'il dise que le général n'en a pas été. Si ce n'est ah du cynisme oui. c'est de la pathologie mentale. Si ce n'est, si. Oui, Tisnay, si ce n'est. C'est à dire que c'est dans le coup d'État permanent, un ouvrage que Mitterrand fait paraître, où il nous explique que le général de Gaulle, en gros, c'est Hitler, Franco, Mussolini, quand même. Il nous le dit. Alors, évidemment, il a une formule, c'est un avocat. Donc, euh, il nous dit Mais est-ce que nous ne pourrions pas associer le général de Gaulle à Franco, etc. etc. Il faut être malade quand on a été soi-même vichiste, maréchaliste, d'extrême droite avant-guerre, qu'on a eu la Francisque euh, en 1943, des mains même du, du maréchal, dire du général de Gaulle lui-même, qui a organisé la résistance, qu'il était euh, l'équivalent d'un Adolf Hitler ou d'un Franco. Il mmh. faut, être, faut être malade. Donc effectivement, ce sont les... il a menti toute sa vie, y compris oui. ensuite sur sa maladie, sur sa vie personnelle, absolument. sa vie privée. C'est ce que vous mettez en mais parallèle, d'accord ça, par ça, ça correspond à ça correspond à on va dire un. À des fondations qui ont permis euh, d'empiler dessus euh, tout un tas d'idéologies socialistes qui n'avaient rien à voir avec le socialisme de Jaurès. C'est comme ça que le socialisme s'est perdu en fait. Moi j'étais au PS pendant 20 ans, le PS c'était un rêve, c'était un idéal, c'était euh, le progrès, c'était les classes populaires, mais en fait il n'en a été rien, c'était pas l'émancipation en fait, c'était la continuité d'une politique paternaliste construite sur un mythe, de l'émancipation de l'individu, mais ça n'a pas été le cas. Ah non, et Mitterrand, oui, mais Mitterrand, il a incarné ça pour, pour, oui. pour ma génération. Oui, Michel Onfray. Pour ma, je, Moi, je ne parle pas de ce que vous... Et, et vous avez raison, c'est factuel ce que vous décrivez. Et, et quand c'est factuel, c'est l'histoire. Donc on ne peut pas dire je, je suis d'accord ou pas. On peut, on peut le rejeter, le nier, on fait ce qu'on veut. Mais c'est factuel. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, en tant que socialistes des années 80, euh, qui avons poursuivi, euh, euh, qui avons suivi euh, cette gauche, euh, c'était euh, l'arrière-boutique. On, 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 J'allais dire, on n'était pas dedans. On était dans ce progrès euh, qui a été inventé avec une neuve langue absolument euh, euh, imaginative et créative. Moi, je crois pas. Hein. Je crois vraiment au socialisme du socialisme, enfin, au, du Parti Socialiste, on dira, euh, parce que les 110 propositions euh, m'agrées. Moi, j'étais euh, le, le féminisme de Mitterrand en 81, euh, son, 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 son projet politique en faveur des pauvres, des, mo des plus modestes, etc. Mmh. Moi, j'ai voté Mitterrand en 80, et je ne le regrette pas, non pas pour l'homme, mais pour un programme. Oui, oui. Ce que j'ai fait, ce que peu de gens font. Donc, on peut C'est le, ouais, le compte des mois où Mitterrand a gouverné à gauche. C'est 22 mois. D'accord, oui, oui, oui. 22 oui, mais mois. C'est-à-dire du 10 mai 80 ouais, en mars 83, ah, bon, Le, le tourbillon de la rigueur. Si j'en ouais. veux à Mitterrand, c'est d'avoir renoncé à la gauche. Moi, si je suis resté fidèle à des idées de gauche. Et comme je suis resté fidèle à ces idées mais de, de gauche, évident je suis un fasciste renonce, droite. c'est. <laughs> euh, bah, non, parce qu'il aurait pu. Absolument. Il y a un moment donné, vous savez, Enfin il y a un moment donné où euh, il est pas très doué en économie, Mitterrand. On va pas forcément lui reprocher. Il pouvait être doué par ailleurs en littérature. Il était un avocat ou je ne sais quoi. On s'entoure. Il s'est entouré de gens qui lui disaient il y a deux, deux hypothèses. La première, on laisse tomber le socialisme, on va du côté du libéralisme de l'Europe, etc. C'est Jacques Delors. Et c'est Mauroy, quoi qu'on dise. On fait de Mauroy oui, l'ami oui. des mineurs, etc. Pas du tout. C'est l'aile droite. Et puis vous avez une aile gauche à l'époque qui est celle de, de Chevènement. Et euh, Chevènement lui dit il faut sortir du serpent monétaire, oui, il faut, faut faire lui. une politique de gauche, etc. Il tranche Mitterrand, et il tranche en faveur de la fin de la gauche. Mmh. Moi, ce, que, ce qui me gêne chez les socialistes, c'est qu'il n'y en ait pas un pour avoir dit en 83, ben, on ne peut pas mmh. défendre ça. Souvenez-vous, et vous avez dû en souffrir, mais quand euh, Mitterrand nous a présenté euh, Bernard Tapie comme un héros de la gauche. Mais oui. Enfin, on se dit mmh. quoi Souvenez-vous, vive la crise, oui. avec Libération, Julie, Geoffrin, mmh. où on nous disait aujourd'hui, mmh. avec des, des, des gens comme. Euh, euh, Yves Montand qui avait été payé 80 millions de centimes, je crois, pour être passé chez Anne Sinclair, pour nous dire que finalement les pauvres, ils n'avaient qu'à bosser, ils n'avaient qu'à créer leurs entreprises, qu'il y en avait marre de ces assistés, etc. Discours de gauche Discours enfin, de gauche Jusqu'à Terranova Jusqu'à 2012 bien sûr. avec Hollande alors, bien où sûr. On nous Justement, est-ce que c'est... -ce les gens qui ont suivi mitterrand parce que on, on voit dans votre coup, livre que le, le mec, sur mitterrand parce oui. il y deux dans le livre le mec, le, mec <laughs> ne vaut pas, le mec ne vaut pas le, 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 le coup et que, que bon mais il a été très suivi il avait une aura est-ce qu'on est qu peut être une totale euh, bah, entre guillemets ordure et, et devenir une espèce quand même de, 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 de héro, héros euh, national oui avec l'aide des médias qui ont fabriqué toute une mythologie la gauche, c'était formidable. Pas question de parler du pacte germano-soviétique, pas question de parler de cette incapacité du Front populaire à soutenir euh, l'Espagne républicaine. Et là, à ce moment-là, on disait, la gauche, elle est formidable d'une part, et en face, vous avez qui Vous avez Jacques Chirac. Chirac, c'était qui C'était un fasciste. Vous vous souvenez C'est-à-dire, cette façon de dire Mais vous n'allez pas être fasciste quand même, faut être antifasciste. Donc, si vous êtes antifasciste, vous ne votez pas pour Mitterrand, mais vous allez voter contre Chirac. On a exactement la même logique aujourd'hui avec Marine Le Pen Ne votez pas pour Macron, mais votez contre Marine Le Pen. Et dans, cette, dans ce cas de figure, on ne pense plus. C'est-à-dire, on fabrique une icône de la gauche en disant Mitterrand est un homme de gauche il dit qu'il est de gauche. Les syndicats euh, laissent faire, la CGT dit euh, on peut avancer, on négocie, on n'a pas besoin de manifester. C'est FDT, alors là c'est pas la peine, ils étaient, franchement c'était le syndicat du pouvoir. Euh, le parti se tait. ils ont quelques ministres communistes au pouvoir, les communistes ne disent plus rien. Mitterrand dit qu'il va plumer la volaille, socialiste, euh, la, la volaille communiste et il plume la volaille communiste. Et, et pour quelques strapontins euh, le parti communiste cesse de pouvoir exister, cesse d'exister. Aujourd'hui il est à quoi 2%, plus rien du tout. Et tout le monde a laissé faire. C'est-à-dire que c'était ce, ce, espèce de délire moi je, je ne regrette pas mon vote mitterrand 80 je regrette mais simplement 83 j'ai dit stop moi, Giscard vient de mourir, personne n'a compris que Mitterrand s'était rallié au test de Giscard. Nous vivons sous régime giscardien. Oui, L'euro, l'Europe, le marché, euh, la, la, la fin de la lutte des classes, enfin du moins l'idée qu'il n'y aurait plus de lutte des classes. Mais bon sang, quand vous voyez des gamins livrer des pizzas à, à 11h du soir, ou même aujourd'hui en temps de Covid, des, des gamins qui sont exposés pour pouvoir payer théoriquement leurs études qu'ils font maintenant devant des ordinateurs, ou etc., vous dites c'est ça qu'on a produit comme société après combien d'années de prétendument socialisme Deux septennats de Mitterrand, euh, un, un, un presque quinquennat de Lionel Jospin qui était au pouvoir et qui était à, à la, aux manettes quand il était chef du gouvernement. Ça ne peut pas être la gauche, ça. Euh, euh, question de Johnny Blanc il nous reste deux minutes, Johnny. Vous, vous dites que le combat de, de Gaulle aurait été un combat de, de, de civilisation. Oui. Et, et vous dites en fin de compte qu'on on a puisé ça au niveau de, de, des bases judéo-chrétiennes. Et, et vous dites qu'en fin de compte, ne pas reconnaître que les, les, les religions sont la base de, de notre civilisation, ce serait refuser que la pratiquement quoi en gros et mais est ce que vous pensez pas quand même qu'on est rendu dans une, dans une époque où la religion a pris une place au-delà de tout ce qu'elle devrait avoir. Ça dépend des religions. 30 secondes Michel. Désolé. Je, je prends l'impression aujourd'hui qu'on ne <laughs> parle plus de religion tout le temps. Le, le christianisme, en fait. c'est là, une, une, une ambulance. On tire plus sur une ambulance, c'est fini. Aujourd'hui, vous avez le droit sur les chaînes du service public d'insulter le christianisme, de dire de Jésus qu'il est un PD, etc. Enfin bon, voilà. Mais c'est plutôt l'islam qui est un problème. C'est pas la religion. Et un certain type d'islam, un islam politique. C'est pas l'islam spirituel. C'est pas l'islam des de, de, de gens qui le pratiquent au quotidien parce que c'est leur spiritualité, c'est leur culture. Non, c'est des gens qui pensent. Que la, 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 la religion doit être une politique. On n'a pas fait la Révolution française pour autre chose que pour la fin de la théocratie, du mmh. pouvoir de Dieu. C'est-à-dire théocratie, pouvoir de Dieu, démocratie, pouvoir du peuple. Je pense que les religions sont problématiques quand elles sont théocratiques, et, et, et c'est ça la crainte qu'on peut avoir aujourd'hui. prie. Merci Michel Onfray.